Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Fallout 4. Toujours dans le DLC Automatron, chers amis, avec Ada. Ada qui est notre robot que nous customisons au fur et à mesure de l'aventure. Et donc avec cet habitant que nous avons complètement manipulé mentalement. Et qui donc maintenant reste amical, même si on rengaine les armes. Ça c'est une très très bonne chose. On va continuer à progresser, apparemment il y a quelque chose par là. Oui effectivement, on devait aller à l'antenne satellite de Fort Hagen. Donc, à quelle distance c'est exactement? Parce que Fort Hagen, nous y sommes. Donc c'est à l'antenne satellite qui est un endroit qui n'existait pas avant, je pense. Hein. Donc. Il y a un mode, chers amis, je vois ça parce que je pense à ça là tout de suite. Il y a un mode qui ouvre plus de portes dans le jeu et qui crée donc des zones recréées par un modeur qui, je pense, va être beaucoup plus libre de ses possibilités une fois que le développeur quitte. Développement de kit ou développeur kit, enfin en tout cas le kit de mode va être diffusé. Il est en préparation, la bêta est sortie du système de développement de mode officiel. Cependant, rien n'a encore été. Oh, regardez, il y a un crâne. Oh, c'est gentil. Merci. Ah bah si elle récupère des choses partout, c'est cool. F5. Vous avez entendu ? Je les ai trouvés, monsieur. Hop. Pousse-toi. Hop. Ça touche pas. On doit s'approcher. Hop. Protectron golem. Oh la vache. Ada, ça va? Démon de la rouille. Hop, parfait. Missile launcher. Super mutant, ça peut toujours être pratique. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai... Ah non, j'allais dire j'ai beaucoup de place sur moi, mais pas tant que ça en final. Le missile launcher prend beaucoup de poids, je pense. On va virer le pistolet. Pipe pistol, on va les virer aussi. Ça, je peux le virer aussi. Il n'est là que pour le visuel. Et j'ai toujours 5 de trop. Le Gamma Gun pesant 3, donc non, on va virer le missile launcher, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, faut qu'on puisse récupérer un maximum de compos. Arrête-toi! Est-ce que je peux t'inciter à attaquer tes potes? À l'attaque! Vas-y, attaque tes potes! Hop, salut l'ami! Casque de robot sentinelle. Alors, j'aimerais qu'on le voit un petit peu plus près, chers amis. Qu'on puisse voir plus ou moins ce qu'il en est. Effectivement, il a des pieds de robot qui ressemblent un petit peu à mon armure actuelle, en fait. C'est intéressant. Ah, il a plus de tête, par contre, c'est con. La tête, elle est où? La tête, elle est où, je te dis? Putain, je retrouverai pas la tête. On va aller voir notre copain, alors. Notre copain, peut-être qu'il a... Il a une armure complète, potentiellement. Qu'est-ce que vous me voulez ? Non ? Il a un bras de robot, donc ça ressemble un petit peu au mode que j'utilise actuellement. Pas de conneries, ok. Ah, par contre, elle a un bug de... Alors ça, c'est un bug, chers amis. C'est un bug en fonction de ma... Sur ma peau, en fait, à l'heure actuelle. Oula. Oula, quand je l'ai visé, en fait, ça m'a bourré, littéralement. Hein. J'ai le jetpack, faut que je pense. Oh la vache! Merci!
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Armor Workbench, d'accord, tant mieux. Trilby Hat, pourquoi pas. Bref, j'avais pas besoin de tout ça. Mon armure actuelle est déjà très très bien telle qu'elle est. Par contre, j'ai vu un crate ici. Ok, c'est parfait. Je t'aime bien, Ada, honnêtement, je t'aime bien. T'as une certaine gueule, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être leur... leur truc de gang, vous savez, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça. Donc la tourelle. Assurons-nous d'avoir récupéré tout ce qu'il y avait récupéré sur les robots. Ce serait bien, par contre, il y avait une mine, là. Ah oui, c'était le système de lance-flammes sur les côtés, effectivement. Qui était complètement craqué, hein. Qui était complètement craqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une peluche. Jouer extraterrestre, effectivement, c'était ça. Ok. Il y a un truc en haut. Hop. Il y a un truc en haut. Terminal d'entrée des démons de la rouille. D'accord. Est-ce qu'il faut que je parle à quelqu'un? Non, apparemment non. Allons voir. Prise de contrôle de la porte du hangar. Que voulez-vous faire? Gay. Démons de la rouille, avec tous ces robots du mécanisme dans la nature, on ne peut pas se permettre d'utiliser moins de guetteurs. Pourtant qu'on sache, cet enfoiré a préparé un raid pour capturer demain la totalité de nos robots. Non, Tétanos, ça ne veut pas dire que tu peux envoyer 3 robots en patrouille pendant que tu roupilles. Je veux voir au moins 2 êtres humains patrouiller au jour comme de nuit et prévenez-moi immédiatement. D'accord, ok. Commande de la porte de sécurité, on va la fermer. Ah bah non, elle est ouverte. Elle est fermée déjà. Bah on va l'ouvrir. Ok. Allez, laisse-moi repartir, merci. C'est en train de s'ouvrir, parfait. C'est en bas que ça s'ouvre en fait. Ok, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Et ici, ça a ouvert la porte en fait ici. D'accord, ok, parfait. Parfait, parfait. Bon. Bon, 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 on va aller voir à l'intérieur. Hein. Hop, hangar de Foragun. C'est parti, on y va. J'aurais peut-être dû faire une petite save avant. De toute façon, je pense que ça va être des amis. Honnêtement, je pense que ça va être des amis. On verra bien. Mais je me doute que ça va être des gentils. Je pense. C'est mon avis. Hop. Trouver le cérébrobot. Apparemment, il y a des humains là-dedans, donc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un piège avec un casque de Lazerotron. J'ai vraiment vu quelque chose. Merde, c'était quoi ça? Hey. C'est un piège avec un casque de Lazerotron. Oula, il s'excite, Ada. Enfin, elle s'excite. Putain, pourvu que le jet, ça rend un peu nerveux, qu'elle disait. Peu de jet, un chalumeau tu mets. Est-ce que je l'ai sur moi? Je vais pas l'avoir. Non, je ne vais pas l'avoir. Dommage. Ça c'est la sortie par laquelle on ne peut pas aller parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Ok. D'accord, vous voyez, c'est fermé. C'est verrouillé et... on ne peut pas y accéder. Ici c'est un piège avec Lazerotron. Du bruit, hein? J'entends quelque chose. Hop, fermons. Totem de Lazerotron, ça me l'a donné ou je sais pas trop quoi. Ce que c'est pénible, hein? Content que ce soit terminé. Il y en a un qui cause. Je vois rien. Ça c'était Bear Grylls, vous avez remarqué? Ok, je vois plus personne. Notre ami ne nous suit pas cependant, hein, c'est dommage. Par contre j'imagine bien des pièges par là. Alors. Oh putain, Ada. Ouf.
Ouh là là, il y a des bugs de... De chunk, littéralement. C'est rien. C'est comme s'il était juste à côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Y'a rien ici. Y'a rien. Et ici, il semblerait qu'il y ait rien non plus. Il est juste au-dessus, en fait. Enfin bon. Alors. Zone sécurisée. Qui est là ? Hop, tu n'as rien vu. C'est bon. Hop. Ah, j'ai été repéré. J'ai été repéré. On va passer sur Rambo. Si je le trouve. Voilà. C'est pas un robot, ça. Hop. Qu'est-ce qu'il tire comme un robot ou quoi ? Vous avez entendu ? Bip 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 ! De toute façon, on peut mettre de la lumière maintenant. Pas de problème. Je trouve qu'il y avait un légendaire dans le coin. Pourtant, il y avait bien un légendaire dans le coin. Ah bah voilà. Oula ! Oh la vache! Oui, j'ai pas vu ma santé descendre! Je n'ai pas vu ma santé descendre, chers amis. Soyons honnêtes, pas du tout. Bon, bah maintenant on sait où ils sont. Approchez et identifiez-vous. Aucun mal ne sera fait aux citoyens. Hop. Hop. Ils nous ont repérés. Ok, et de 1. On a déjà pris énormément de dégâts. Ok. Hop, pleine tête. Ça t'apprendra à avoir un gros casque. On t'a repéré aussi sec, parfait. Trouver quelque chose d'utile ? Ça a été plus facile que prévu. Ça a été bien plus facile que prévu. Hop. Échiquier, j'ai canne d'essence. Hop. Qu'est-ce que t'avais sur toi ? Ah ! Alors est-ce que c'est Rambo ou pas ? Je crois que c'est Rambo. Je vais regarder Rambo, mais je crois que c'est Rambo. Ça va être la même, hein. Ouais, c'est la même. Ok, c'est Rambo. Pas besoin de la prendre alors. Et qu'à essence je prends par contre. Ok. Et il y avait elle qui était descendue par les escaliers. Qui avait un casque d'iBot. Ici nous avons une porte de sécurité. Pourquoi pas ?
Hop. C'est bon. Fait longtemps pourtant. Ok. Ça doit être par là, cependant je vais monter d'abord. Faut que je m'assure d'avoir tout fouillé au fur et à mesure. Hop, un bras. Un bras de robot. En cours de bidouillage. Ok, pourquoi pas. Des mecs qui sont morts. En aluminium, pourquoi pas. Le seul souci en fait de ton truc, c'est que tu fais beaucoup de bruit quand tu te déplaces. Et honnêtement, ça va vite me saouler. Là par contre, il y a des fûts. Il y a des fûts, donc il faut se dépêcher. Hop les, ça c'est fait. Oh, une armure. Et là. Aïe. Hop. Génial. Il y avait une pétoche avant. Il y a des trucs plus haut. Il y a bien des trucs plus haut. Il faut qu'on aille voir ça. Il faut absolument qu'on aille voir ça. Puis il flotte violemment dehors d'un seul coup. Merci. Et on n'est pas en mesure d'aller voir pour l'instant. D'accord. J'avoue être un peu vexé. Je vais m'assurer que ce soit bien le cas, mais... Je pense pas me tromper, malheureusement. J'aime pas ça. La porte est ouverte, je n'aime pas ça. Commande de la porte de sécurité, donc il s'est bien passé un truc. Il y a des gens. Bon, je suis pas fou, vous allez clairement les déclencher les robots. Personne pourtant. C'est un iBot? Non, c'est un cérébrobot, c'est ce qu'on cherche. Il y a forcément quelqu'un. Bon, allons-y. Parlez à Jezebel. Ah. Bon, je vais les chercher. What the? Il bouge. Bon, attendez, on va revenir dessus. Pour l'instant. Je me sens insulté, je l'avoue. C'est plus haut encore. Ok. Un coffre. Paquet de ruban adhésif, ça c'est toujours pratique. Ok, bon.
semble-t-il. Que faites-vous ici? Qu'est-ce qu'il est arrivé? T'en fais, les démons de la rouille. Ils ont jugé utile de ne pas désactiver mon appendice crânien. D'accord. Par chance, ils sont assez stupides pour croire tout ce que je leur dis. D'accord. Ça m'a pas mené très loin, je l'admets. Mais ça m'a au moins évité de partager le sort de mes semblables, que vous voyez démantelés autour de vous. Je répète ma question. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je cherche une balise radar. Une balise radar? Comme c'est intéressant. C'est un composant très spécifique que vous cherchez là. Et vous n'avez pas le profil d'un récupérateur de composants aguerris. J'estime à 98,8% la probabilité que vous soyez à la recherche du mécaniste. Si mes calculs sont exacts, et ils le sont toujours, je pourrais avoir une proposition mutuellement bénéfique à vous faire. Ah oui? J'écoute. J'écoute. Voilà des mots que j'aimerais entendre plus souvent. Je vais vous expliquer. Alors, comment expliquer cela en termes adaptés à vos capacités de traitement logique? Oh putain! Afin de trouver le mécanisme, il vous faudra plus que ma balise radar. Vous aurez besoin d'un moyen d'accéder au complexe. Complexe, d'accord. Je suis disposé à vous fournir cet accès. Mais vous devrez remplir deux conditions simples en retour. Petit 1. Vous devez m'emmener le plus loin possible de ces tristes personnes. Faisable. Petit 2. Vous devrez me trouver un corps. Une fois ces deux conditions réunies, je vous donnerai tout ce que vous souhaitez sans rechigner. Marché conclu. Me doubler, moi. Qu'est-ce qui me dit que tu tiendras parole? Même si je suis équipé d'un cerveau humain flottant dans le biogel, je reste régi par ma programmation initiale. Il m'en coûte de l'admettre. Mais je suis soumis à une loi robotique qui m'interdit de mentir. Aucun mensonge autorisé. D'accord. Même si je suis le robot le plus charismatique et charmeur de la création, je suis littéralement incapable de violer les termes de notre accord. Maintenant que vos doutes sont écartés, pouvons-nous considérer l'affaire comme entendue? Oui. Marché conclu. Sage décision. Tu me plais. Tu me plais énormément. Nous avons atteint notre destination. Je vous remettrai volontiers ma balise radar. Maintenant, je vous conseille fortement d'arrêter de traînasser en territoire hostile et de nous faire sortir d'ici au pas de course. Compte sur moi. Récupérer Jezabel. Hop là. Comment ça? Wow! Meurs! Putain! Meurs! Eh bien, allons. Ne restons pas plus longtemps ici dans l'attente de monstruosités plus horribles encore. Wouah! Wouah! Je l'ai pas vu venir ce coup-là! Enfin, j'ai imaginé une attaque par les autres trous du cul, pas par lui. D'accord, c'est lui qui cause. Terminal d'atelier. D'accord, allons voir. Cerveau. Casser la vitre et plonger la main dedans si nécessaire. Toute évidence, ce sont les cerveaux qui donnent les ordres. Il doit y avoir un émetteur dans cette boule de mort qui nous permettra. Maintenant, si vous échouez, quelqu'un d'autre le fera à votre place. D'accord. iBot. Maintenant que nous avons le cerveau, on se contente de détruire l'iBot. Range 2-3 idées de modules pour ce truc. Je veux qu'il soit démonté pour demain. Démonté, donc schéma. Dommage. Hop! C'est moi, le mécaniste. Je viens vous mettre en garde contre une nouvelle verte. Je peux pas t'ouvrir? Voilà. Il n'a que faire des grands progrès que nous avons accomplis. Hop! Joli. Merci à toi. Ah, c'est bien, la pétoche s'est mise correctement à fonctionner. Le jukebox qui est en dessous. Il est volontairement inatteignable. Ok, pourquoi pas, je suis preneur. Faites gaffe au piège. J'aimerais bien rester intact aujourd'hui. Merci. Merci.
Alors je suis désolé pour les bugs, chers amis. Hein. Transporter trop de choses sur vous, vous ne pouvez pas courir. Qu'est-ce que je transporte de naze sur moi aussi? Tiens, ça par exemple. Là j'en ai un de trop. Et ça. Hop. Parfait. C'est bien mieux comme ça. Bonjour. J'espère que ça vaut le coup ce que t'as sur toi. Personne ? Il y a des munitions par là par contre. Et de l'argent. L'argent va être nécessaire, je vous rappelle qu'on en a perdu un bon paquet. Du jet. Parfait aussi. Allez, hop, prends-le. Bon, on y va, on bourre. Je bourre, chers amis, ça y est, c'est décidé. Quitte à utiliser le slowdown. Hop. Ouais, ça va être différent, tu vas voir. T'auras pas vraiment le choix de toute façon. Mais non. Hop, on y va. Vous n'envisagez pas une seconde de baisser les bras, pas vrai? Ok. Raté, deux fois de suite. Hop. Wow! L'Azerotron succube. Hop! On l'a eu. Hop! Je l'ai raté. Fais pas de dégâts, mais. Qu'est-ce qu'aime ce coup? Wow! Rambo! Hop! Non, on va pas utiliser ça. Non, ils vont m'exploser à la gueule. Waouh! Allez, lumière! Hop, annihilateur, Mister Andy légendaire. Et de 1. Et de 2. Ouah, ça en fait. Bordel de merde. Tu peux venir me filer un coup de main? Aucune importance. Bouge-toi, s'il te plaît. Boum! Voilà, ça c'est un mode en fait, chers amis, qui me permet de voir le. Enfin, un mode d'équipement qui me permet de voir en fait tout simplement où va ma grenade. Et je trouve ça plus que pratique. Sans pour autant être... Terminal d'Ivy. Qui est Ivy? On va aller voir ça. Désastre des parcs du parc des pionniers. C'était une mission de recyclage comme tant d'autres. D'accord, mais quand on va partir avec le robot, on a eu une horde de créatures du mécanisme est arrivée pour... D'accord. Ahab. J'ai planté son crâne sur un robot et pas n'importe quel robot de mort ultime. Ab serait à mes côtés quand je trouverai le mécanisme pour lui faire payer ce qu'il a fait au démon de la rouille. J'espère simplement que ses os ne seront pas réduits en miettes, j'aimerais bien m'amuser avec. C'est un malade mental. Ok, bon. Niveau munitions, on a encore ce qu'il faut de ce côté-là, c'est parfait. Donc là c'est de là d'où on vient. Là c'est une porte verrouillée qu'il va nous falloir ouvrir. Commande de la porte de sécurité. Ouverture. Accès au verrou. Et c'est bon. Voilà. Crac. Quelque
Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Rien du tout. Si, un petit peu de duct tape, c'est toujours agréable. Mais rien de bien plus intéressant, c'est dommage. Bon. Là, on a un passage pour aller derrière, mais il n'y a... Ah si, ah ah. Ah ah. En fouillant un peu, c'est là qu'ils faisaient leur barbuck. Bon, bah c'est bon à savoir. Oh, des munitions. Parfait. Et j'ai vu un endroit pour aller, pour remonter. Hop. On va reprendre. Y a rien par là. Ça s'ouvre ça? Non. Non, 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 bon. Toi. Tu avais des choses sur toi qui m'intéressent. Oh putain. Pas passé loin cette histoire. Je peux pas récupérer apparemment. Je ne peux pas récupérer apparemment. Ok. Attendez. Il doit y avoir un truc. C'est un peu trop facile. Je suggère de prendre tout ce que nous pouvons. Hey. J'aimerais que tu parles de trois petites choses, s'il te plaît. Alors, on va les stocker par poids, les trier par poids, pardon. Hop. J'aimerais donc que tu portes ça. Mes armes, pas besoin. Ça, par contre, tu peux. Hop. Fasse attention à ce que je te donne. Non, c'est bon. Déjà ça, je vais être un peu plus tranquille. Là, il y avait un mec que j'ai abattu. Là, il y a un robot en cours de construction. Là, ça doit être pour les lumières. Alors, Elders, il y en a un. Donc, c'est le S à la fin. Potentiellement. Joli. Et voilà, c'était ça. Parfait. Commande de tourelles, d'accord, c'était juste les tourelles. Désactivées. Les tourelles sont donc désactivées, chers amis. Hop, on est bon. Yo l'ami. Apparemment, c'est pas la grande forme. Duct tape. Surtout s'il est de qualité militaire, faut pas oublier de le prendre. Là, hop. C'est là qu'on les entendait les mecs, je crois, tout à l'heure. On va passer par là, on va aller voir, vite fait. Est-ce qu'il y a quelque chose au bout? Rien du tout, parfait. Ça flambe toujours au-dessus. Ok. Je prends le grippin. Le mien a cassé il y a pas longtemps. Enfin, le mien brûle, mais en fait, c'est un brûle-pain plus qu'un grippin, le mien, en fait. Ok. Et il n'y a rien d'autre, d'accord. Ok, continuons. Notre porte de sécurité. D'après mon expérience limitée à vos côtés, j'estime nos chances de survie à 65%. Ce n'est pas optimal. Des efforts supérieurs pourraient modifier nos chances. Dans 65%? Face à qui? Le secteur n'est pas sécurisé. Fin de l'alerte. Mouvement détecté à l'intérieur du périmètre.
C'est une succube. Ivy. Fais pas de conneries. Oh la vache! Attends voir. Et hop, je suis coupé. What? 65% qu'elle a dit, hein. Il va me falloir Rambo. Oh la vache. Oh la vache. La sauvegarde au mauvais moment. La sauvegarde au mauvais moment. Putain. Non. Hop les, c'est bon. Ouh. Gorgone de l'Azérotron. Putain. 65%. Donc c'est elle qui m'envoie ces putains de grenades. On va prendre un rat de Way déjà, pour pouvoir nous soigner pleinement. Juste pour voir, on est à combien de... Steam Pack 16. Oh la gueule. Ok. On va pas y aller de main morte. C'est parti. C'est elle qui m'a coupé la tête. J'exige qu'on lui coupe la sienne. Ce n'est que juste compensation. Voilà. Si j'avais un corps, je l'aurais tué moi-même. Eh bien, je me doute. Fusil Tesla. Ouh. Au travail, l'humain. Mais il est joli. J'adore! Tesla. T60. Ada! J'aurai besoin de toi. Hey. Tu vas devoir porter des choses. Ok. Voilà, déjà ça. Merci. Alors, allons voir cette arme. Oula, pardon, je viens de bourrer le... Ça a l'air sympa. Hop. On va la mettre en 7. Je me trompe de touche, pardon. Hop. Waouh. En plus, j'ai un paquet de cartouches. Joli. Comment ça se recharge? D'accord. Weapons Workbench. Ah bah écoutez. Pour aller voir ce qu'il faut. Canon automatique, canon de tir améliorée, dégâts à portée médiocre. Canon à chargement, maintenir pour charger. Ouh. Maintenez la commande de tir pour charger, lâcher pour tirer. Canon à chargement, fusil. D'accord. C'est quoi la différence? Plus grand canon à chargement, ça fait un tir de longue distance. Ça fait un tir plus courte distance. Canon de lancement à chargement. Libérer les pièges électrifiés. Rejette une. C'est quoi ce truc? Ça peut être intéressant tout ça. Hein. Dis donc, tout jusque là, c'est intéressant tout ça. Hein. Oh, dis donc. Je suis intéressé. Je suis intrigué. J'ai envie de savoir ce que c'est. J'ai envie de voir à quel point on peut l'améliorer. Ça peut être sympa. Refaire une armure Tesla autour de ça, ça peut être vraiment très très cool en plus. Enfin, c'est mon avis, hein. Il y a des armes là. Ok, parfait. Si vous trouvez des pièces détachées, faites-le-moi savoir. Compte sur moi. Ok. Déverrouiller expert. Ah oui. Hop là, d'accord. Alors, je suis au courant du mode survie, chers amis, qu'il y a dans le jeu, vous inquiétez pas, hein. Ah! Oh hop. Voilà. Génial. Ouh!
prends juste ça, ça ne te dérange pas. L'arme en question ne m'intéresse pas plus que ça. Cartouche. Des cages. Hop. Ok. Ouh. C'est quoi ça? Se charge en chargeant l'arme à répétition. Plus elle est chargée, plus les dégâts sont enlevés. Irradie l'utilisateur. Attends, c'est une arme? Attends, seriously? Attendez. Non, mais j'ai besoin de... Déjà. Waouh. Oh. Mais alors. Oh, j'aime. Et la tête, elle est où? Oh. Irradie l'utilisateur. Wouah! Faut que j'améliore tout ça. Faut que je rentre à la maison améliorer tout ça, chers amis. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Allez. Merci. D'accord, on est à l'entrée. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt dans ce sens-là. Oh. Plus avec ma main mécanique, c'est sublime. Oh. Oh, j'aime. Nouveaux arrivants sont assez comme les démons de la rouille. Ils sont stylés, hein. Ils sont un gang de pierres amateurs. Leur technologie est tout juste assez malin pour savoir s'en servir. D'accord, oui, mais ça j'avais bien compris. Ouf. Nous voilà enfin sortis de ce trou. Vous n'en avez pas terminé avec moi. Je refuse de coopérer tant que vous ne m'aurez pas procuré un corps à la hauteur de mes capacités. D'accord, bizarre. Normalement, c'est un texte de Jezebel, ça, normalement. Hop, allons à Sanctuary, chers amis. On va aller voir ce qu'on peut faire avec ces armes et avec ces robots. Ça peut être intéressant, surtout que j'apprécie beaucoup Jezebel. La façon dont elle m'a parlé, j'ai bien aimé. Moi. Alors. Dormir dans un lit où il le lance sur la mi-conçu spécialement pour les combats prolongés. Il inflige des dégâts d'énergie soutenue et peut réduire une cible en cendres. Oui. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Oh, mais ces armes. Ah non, mais alors, dégage. Je suis désolé. On se remet en route. C'est bon. Hop, je dépose tout ça déjà. Dégage, je veux prendre ta place. Non mais t'es... Ah maintenant. Comme vous voudrez. S'il te plaît, dégage. Merci. Hop. Faites ce que vous avez à faire. Alors déjà ça. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. On peut tous les faire. Mais chaque jour qui passe, c'est plus facile que la veille. Canon de lancement. Bon, je vais faire ça déjà. Désolé, hein, je voulais faire ça. Hop, voilà, l'arme est améliorée à fond. Charge. Ok. Si vous voulez faire une petite pause d'eau, je préférerais être seul. Suffit de le dire. D'accord, donc ça doit être En fait, le charge est en fait un. En fait, c'est comme si c'est une arme directement légendaire, ça me met un truc de mode pour la charge, mais alors qu'en fait, il n'y en a pas. Ok. Notre petit projet de reconstruction de Sanctuary n'a vraiment été. Et l'Institut, là, ça me permet de penser à autre chose. Je veux voir ce que ça va donner, hein, personnellement. Et enfin... Oh, est-ce que ça vaut le coup de l'électrifier, celle-là? Je ne sais pas. Alors... Voyons voir. Faites tout de même attention. Je peux quasiment tout réparer. Voyons voir. Il pourrait être en bas, j'imagine, voilà. Hop. Les gens, c'est plus compliqué.
Ça se voit pas, c'est dommage. Ça ne se voit pas, c'est dommage. Ok. Là non plus, mais bon, c'est toujours aussi violent. Y'a pas Plus de drogue. C'était des gens. Plus de vision non plus. C'est efficace. On va essayer sur des gens. Hein. Soyons fous, c'est plein de sang en plus. Et aussi, donc, la lame de la Zérotron. Maman Murphy, t'es où ? Des goules sauvages. C'est aussi excitant que de pêcher à la grenade dans un tonneau. Ok, c'est efficace. Bon, pourquoi pas ? Je rêve ou elle a des boobs ? Je rêve ou Ada a des... Attends. Putain, elle a des boobs. Non mais regarde-moi. Oh la gueule. C'était pas obligatoire de faire ça quand même, hein, merde. Bon. Et le fusil Tesla tactique. Salut mon pote. Vous voulez une bière bien fraîche ? D'accord, ça fait des zones au sol. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Oula, excusez-moi, je retape à nouveau dans le... Hop, Mama Murphy! Pacifié! Tiens! Pacification! Hop les! Ça a l'air efficace, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Hop! Bon! Bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. N'a pas trouvé le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire GameSpain.com qui m'a gracieusement fait le jeu. Et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, entouré de robots. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.